Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 63e épisode de la série Dex Eye. Avec une souris qui va fonctionner normalement. Je l'espère. Hop, pardon, voilà. Donc, on s'était quitté sur un épisode un petit peu frustrant et énervant pour moi. Ça ne devrait pas être le cas dans celui-ci, normalement. Alors, entre-temps, j'ai regardé cette petite offre-là. Heureusement que j'ai regardé, hein. Donc tout ce couloum, hein, je me disais que ça avait un nom un peu latin. Bon, effectivement, c'est pour aller récupérer quelque chose ici. Qui est là. Donc elle peut aller se faire voir. J'ai assez de choses à me prendre la tête, je vais pas me lancer là-dedans. Hein. Ça m'intéresse pas d'avoir quelque chose là-bas. Hein. Donc voilà, il y avait une rébellion, mais elle est en train d'être gérée par ceux qui sont sur place. Oh! J'ai pas prévu qu'on se prenne une rébellion dans la tronche. Donc lui, il a quand même 35 000 hommes. Il se rebelle ici. Très bien. Bon, cela dit, on devrait largement être assez nombreux pour l'écraser. Hein. Je l'ai pas vu arriver celle-là. J'avoue que là. Bah écoutez, ça va nous faire un peu de piment d'entrée de jeu, hein. Je pense qu'on peut le dire comme ça. Et hop, c'est parti. Alors du coup, qui c'est qu'on a plus? On a plus d'intendant. Lui m'aime bien. On va le prendre lui. Voilà. Et ouais, bah il va faire des recherches, des progrès économiques ici, et voilà. La révolte a pris fin, ça c'est bon. On va voir, on va lui bloquer le passage. Alors. Ouais, alors ce qu'on va faire avant, si on a possibilité, avant le combat, de mettre un, hop, des généraux, quand même, ce serait mieux. Lui, lui, et lui. Voilà, ça, déjà ça va bien le calmer. Nous, on va faire le siège qui est là. Et on attend les renforts. Bon après, je suis pas sûr que j'ai besoin de ramener non plus tout le monde, hein, clairement, mais bon. Donc, on peut mettre un nouveau chapelain, on va prendre lui. Hop, on va chercher des progrès culturels. Puis ça va être bon, hein. 37 ans, hein, notre personnage. Oula, ivrogne, dépressif, anxieux. Ah oui, quand même. Et l'autre fils... Ouais, punaise, lui, il est bien. Hein. Ça aurait été vraiment bien que lui passe à l'as, en fait. Parce que, punaise, ouais... Ouais, il est bon diplomatie, remarquez, hein. Franchement, il est bon diplomatie quand même. Hein. Pas tout à voir. Bon, écoutez, on verra bien. On va pas influencer les choses. Une révolte en Écosse. Ouais, alors, c'est bien, mais c'est pas ma priorité. Hein. Hop, 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 venez là. Vite en renfort. Le vice-roi, il a créé le duché de machin chose. Bon, il en a les titres, hein, lui, hein. Très bien, il a créé un nouveau duché, bah. C'est parfait. Donc là, on est pas mal, hein, rien qu'à 9000 troupes, déjà, on tient bien le choc. Mais bon, forcément, à 35 000, ça va être encore mieux. On va résister à nos pulsions, pour le moment, hein, c'est pas prioritaire.
Ah, c'est lui là, le fameux mec là. Ah non, c'est pas lui. Non, il y a peut-être une révolte là aussi. Oui, c'est ça, ils se sont révoltés là aussi. Je pensais que c'était l'aventurier qui débarquait, mais non. Alors, encore 25 000 là. Alors pourquoi on est à fond, on escorte là, ça y est, on a tout donné? Ah bah oui. Bon bah alors on a de l'argent. Voilà, on va reprendre un petit peu. Oh, j'oubliais, oui, je vous ai même pas montré. J'ai lancé à Rouen une autre construction. J'ai lancé une grande université. Voilà. On regardera plus tard ce que ça fait. Ouais, après, là, je vais peut-être gagner un peu moins d'argent, hein, parce que du coup, avec l'escorte qui est renforcée. Ok, on a fait des prisonniers, parfait. Hop, ça, on le redivise en deux, et on va aller faire un siège là-bas. Eux vont venir faire un siège ici, et je devais récupérer les 25 000 troupes qui étaient là. Hop là. Et on va les amener ici, parce que pourquoi pas. Et eux, on va aller chasser les pillards là-bas. Elle, on pourrait l'emprisonner, mais elle nous aime bien maintenant. Alors, hop, non, on va lui demander de mettre fin à son complot. Et puis voilà, elle va se calmer, je pense. J'espère. Ah bah tiens, ça leur fait tout drôle, 8 000 troupes là. Tenez! Je pense qu'ils n'avaient pas prévu de s'en prendre 25 000 sur la tronche comme ça qui débarque. Alors, pof pof pof. Oh non, j'ai même pas envie de l'appeler lui, c'est pas la peine. On va revenir là. Bon, on est bien en train de la battre, hein. Elle a gagné la bataille, sans problème. Ah, Roland a hérité du royaume de Maghreb. Tiens, ok, bah lui il est mort. Donc, qui c'est qui a tout récupéré? Ça doit être un de ses fils, c'est lui. J'ai l'impression que ça a été un peu redispatché les titres. Hein. Alors, donc du coup, le titre du royaume de Maghreb. Très bien, et eh ben on va le donner à quelqu'un. Bah lui. Allez, concéder une vice-royauté, le royaume de Maghreb, inclure tous les titres. Et voilà, c'est fait. Ah, et eh ben ok. Alors, bon c'est bien aussi, hein. Bon, c'est même mieux en fait. Notre premier fils est mort. D'anxiété morbide. Ouais, bah en même temps. Très bien, donc on va jouer lui, qui est marié à la comtesse de Caceres. Il en a déjà un petit-fils, même deux. Qui a 15 ans, bon il a déjà été... ok, à l'intrigue, il a été éduqué, on verra bien ce que ça donne. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un personnage résistant, un peu comme ça, mais bon, ça fait plaisir. Le vice-roi du Maghreb, il veut épouser elle. Oui, bah vas-y si tu veux.
Donc notre nouveau chancelier, on va prendre le vice-roi d'Irlande, tiens, comme ça va un peu le faire remonter. Voilà. Ok, donc là on hérite du royaume de Badajoz. Hop, qui est de là. Ok, donc là aujourd'hui il y a ça. Alors que de jure, c'est que ça. Donc ça. Le duché de machin, te jure. Ok, lui c'est un infidèle, donc on peut lui retirer ses titres. Donc on va tout lui retirer, je pense. On va redistribuer comme je l'avais déjà fait. Voilà, donc le vice-roi d'Aragon, on va lui retirer son titre. On va lui retirer son titre de duc aussi. Voilà. Je pense qu'après on peut plus, hein. Oh, si, je pourrais lui en retirer encore. On va le faire tant qu'on peut. Je vais redistribuer les titres, hein. Voilà, maintenant on peut plus, c'est bon. Alors, voilà, ça va être encore de la gestion comme d'habitude. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un? Tiens, toi, on va t'accorder le comté de Barcelone et le duché de Barcelone. Alors, non. Avant, le duché de Barcelone, c'est ça. Et là, c'est ça. Ok, donc lui. Ah bah si oui, c'est lui, ce sera obligé par contre. Parce qu'il a ça en plus. Ok. Très bien. Donc, ça on peut pas, hein, je crois, non, sur les titres de duc, on peut plus agir. Hein. Ok, donc toi, accorder un titre, le duché de Barcelone. Voilà. Ce qui fait que maintenant le duché de Barcelone. Je te jure, c'est ça, et là, c'est ça aussi. Je te jure, c'est ça, et là, c'est ça. Ouais, bah, c'est à cause de lui, ouais. Bon, c'est pas grave. Ensuite, on a quoi? Le comté de Rouen, le comté du Vexin, Daniel de Caen. Ok, et après, on a le duché de Béja, c'est ça, et de jure, c'est ça. Si on va là, lui, il est comte de Almada. Et comte de Lisbonne. Donc si je lui donne ça. Ah ouais, de jure, il n'y a pas ça? Mais alors ça appartient à quoi? C'est un peu compliqué leur truc, hein. Le duché de Lisbonne. Ouais, il est bizarre le duché de Lisbonne. Il doit être buggé à mon avis. Je comprends pas que Lisbonne ne soit pas dans le duché de Lisbonne en fait. Ça me paraît pas logique. Ouais, là je comprends pas. Je pense qu'ils ont raté quelque chose. Ou c'est un bug, hein, parce qu'on continue une partie en cours. Je pense qu'il y a peut-être des bugs. Je crois que c'était marqué que, attention, il pouvait y avoir des soucis. Bon, c'est pas très méchant. Bah, de toute façon, par contre, j'ai plus le choix, hein. Lui, c'est vraiment le duché de Lisbonne. Donc, ok, très bien. Ensuite. Ok, donc le royaume de Badajoz. Aujourd'hui, c'est ça. De jure, c'est ça. Donc lui, qui est à lui. Oh bah lui, faut que je continue à lui enlever des titres, hein, de toute façon. On va tout lui enlever. Voilà. Donc le comté de Blois,
Le duché de Blois, deux jures, c'est tout ça. Et là, c'est ça, ok. Et lui, il est quoi? Ah, mais il est tellement de trucs, lui, que... Bref. Ouais, parce qu'il appartient au gars d'Irlande, ouais, c'est un peu le bordel. Donc, il y a quelqu'un à ma cour à qui je pourrais donner ça. Walter de Beaumont, accordé. Comté de Blois. Accordé. Duché de Blois. Voilà. Toi, t'es duc. Maintenant, on n'en parle plus. Donc lui, il fait partie de l'archevêché percé de Porto, mais que nous n'avons pas. Très bien. Alors, si je reprends donc le royaume de Badajoz, voilà, deux jours c'est ça. Aujourd'hui c'est ça. Pourquoi? Non, lui, il est bien sous le roi du Maghreb, quoi. J'arrive pas à comprendre pourquoi... d'Aragon. Mais il a rien à faire sous toi, lui. Enfin, c'est... Oh, y a vraiment du bordel, hein. Non, mais non, c'est bien de pouvoir soustraire des vassaux sans pénalité, ça c'est cool, hein. Ah, il est en prison, lui? Ah, il est dans Méjol. Ah bah, normalement, c'est bon, c'en est fini de lui, hein. Oh, ça m'oblige à récupérer ça en plus. Fouf. Bref, alors lui... Ouais, non, Marto, tu vas me donner ça déjà. Parce qu'après qu'il s'occupe, qu'il gère son truc là-bas, j'en ai rien à faire. Je vais pas m'amuser à gérer tout le monde, mais par contre, voilà quoi. Donc, duché de Marrakech. Voilà, aujourd'hui c'est ça. Deux jours c'est ça. Ok, donc ça veut dire. Oh là là, je suis désolé, hein, c'est. Comme d'habitude, hein, vous passerez si ça vous intéresse pas. Moi, c'est une partie que j'aime bien, hein, mais après, je comprends que ça ne plaît pas à tout le monde. Je vais lui transférer le compte de sa fille, voilà. Et le compte de Tinalamal, là, du coup. Transférer le compte Tinalamal, ok. Et lui, il lui appartient. Donc c'est bon, normalement le duché. Voilà, à part qu'il manque ce territoire-là, mais ça c'est normal. Parfait. Donc, hop, Royaume du Maghreb. On est d'accord que... Ok, tout est bon, il manque juste des territoires qui sont pas encore à nous. On va y arriver. Ensuite, donc, le royaume de Badajoz. Alors, je comprends pas pourquoi ça. Alors là, par contre, je n'ai pas l'explication. Oh, c'est pas un truc dans ce genre-là, là, qui appartiendrait... Oh, je suis sûr que ça va être ça. Il y a un vieux titre comme ça qui doit appartenir à un mec. Ouais, pardon, hein, j'essaye de... Oh, je me complique la vie pour les clics. Beaucoup la vie, trop la vie. Ouais, pourquoi? Ouais, bah tant pis si ça plaît pas, je m'en fous. Ah, mais c'est des trucs à la con comme ça en fait, hein.
Ah ouais, mais il en a deux en fait. Non, c'est pas un titre là, c'est soustraire un vassal. Voilà, on va y arriver. Ok, on récupère le royaume de Finlande. Non, mais c'est bien, c'est pas le bordel quoi. Attendez, hein, je vais venir au reste, mais pour le moment, j'essaie de gérer ça. Là 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 là. Alors! Ok, donc lui, il a accepté. Ouais, je m'en fous, vas-y. Donc, le royaume de Badajoz. Ok, donc toi, par contre... T'es pas censé avoir ça, quoi. Enfin, ça encore, je m'en fiche. C'est pas grave, on n'est pas un titre près non plus. Le duc de Béja, ouais. Parce que lui, il est quoi? Duc de Badajoz et duc de Lisbonne? Ouais, bah écoutez, je vais lui donner à lui, le royaume de Badajoz. Voilà. Non, le royaume. Parfait. C'est bon. Maintenant. Ouais, j'ai pas fini, hein. Le royaume de Jure, de Valence, c'est ça. Ok, il nous manque ça. Pour vous aider. Donc. Voilà. Un chevalier est arrivé à ma cour. On va lui donner le commandement à une armée. Est-ce qu'il est bien? Oui, il est très 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 bien même. C'est bien, ça se fait tout seul ça maintenant. Voilà. On va voir qu'on va y arriver. On va faire un truc propre. Ah, lui par contre, duc de Valence, duc de Berry. Non, je peux pas lui enlever. Enfin, pas gratuitement en tout cas. Attendez. Hop, tant que j'y suis. Tac, tac. Voilà. Donc, je vais peut-être pas le donner au duc de Valence, peut-être plus à lui, mais lui, est-ce que je peux l'exécuter? Non. Le bannir non plus. Le jeter aux oubliettes. Voilà, donc j'aurais bien aimé le donner à quelqu'un d'autre, quoi, mais bon. Pourquoi pas à lui? Et ben voilà, allez, ce sera pour toi. Ça va te faire drôle d'un coup, hein. Et donc ça, on est d'accord, c'est complet, parfait. Et il nous reste le royaume d'Aragon. Après, il faut aller voir celui de Finlande aussi. Alors ouais, parce que là, j'ai récupéré des trucs. Ça, par contre, moi, j'en veux pas. Par exemple, donc, hop, hop, voilà. Ça a généré quelqu'un. C'est quoi que j'ai récupéré aussi? C'est pas, y a pas un truc là-dedans? Non? Comptez de ça. Ouais, alors là. Wow. Il va falloir aller voir la Finlande après. Ce sera encore une autre histoire. Voilà, Albarracin qui est là. Cour. Ouais, 51 ans, peut-être pas. Oh, vous savez quoi, je vais le donner à lui, il s'en débrouillera, il va se trouver une femme, et puis voilà, hop. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, donc ça c'est la Finlande, on a dit. Le royaume d'Aragon, alors, de Jure. Ça y est, c'est complet ça. Parfait, bah, il n'y a plus qu'à trouver quelqu'un, alors toi t'es duc. Devrais-je manger un peu plus? Je deviens trop frêle, ah frêle, ah oui, c'est pas bon, faut manger un peu plus, effectivement. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Le duc de Haut-Aragon. Alors lui même pas, forcément. Je vois qu'en prenant le large, Thiobure, je pourrais bien être à profit. Je se débrouille, je m'en fous. Excusez-moi, mais j'ai déjà pas mal de trucs. Oh, mais c'est pas vrai! Ça suffit les gens là. Et ben voilà, toi t'étais duc de Barcelone. Tu vas passer roi d'Aragon. Voilà, c'est un peu mieux.
Le royaume de Bretagne, on le savait déjà, ça c'était bon. On va le donner à lui. T'es jeune, ça te fera les pieds. Alors maintenant la Finlande. Alors là c'est notre histoire. Hein. 2 jours c'est ça? Je le ferai en off. Allez, on s'arrête là pour le moment. Déjà la Finlande, ouais, il faut effectivement... merde, on va perdre le titre. Quand est-ce qu'on peut le passer en primogéniture? Il faut qu'aucun vassal n'affronte un autre vassal, qu'on soit en paix. Ouais, ce serait bien que tu fasses quelque chose pour ta guerre. Alors je vais venir t'aider au pire, hein, mais... Mais ouais, par contre, ce serait bien que mon personnage ne crève pas d'ici là. Et du coup, j'imagine qu'on peut pas proclamer la paix dans le pays, hein. Ouais, le conseil, il faudrait qu'il puisse le faire, mais du coup, là, je peux pas. Bon, on va déjà aller voir. On est en meilleure santé, par contre, on devient corpulent. Il a créé le titre du duché de Majorque. Ah bah oui, c'est vrai. 2 jours, c'est ça. Et là, c'est ça. Ouais, bon. J'apprends que le duc est venu à moi, il m'a demandé un brin, comme c'est la tradition. On va le faire entrer. On est content de sa visite. Emprisonner qui, là? Le roi de Valence. Bon, attendez, on vient à peine de lui... On va lever l'excommunication. Non, il veut pas. Ah, il est excommunié lui. Ah ouais, j'ai peut-être fait une gaffe par contre. Bon, c'est pas grave. Et lui? Ouais, sinon, lui, on peut lui faire une conversation privée et essayer de... Hein, voilà quoi. De le séduire. Ouais, non, non, mais c'est vrai qu'il faut avoir faut avoir mis un truc spécial, on peut pas le faire comme ça. J'avais oublié. Ouais, bon, après les gens ils s'usurpent les trucs, ça, je peux rien y faire. Moi je prépare le terrain derrière ce qui se passe. Allez, on va les écraser. On va les poursuivre jusque chez eux. Le régent désigné, ben, j'en sais rien. Et qui nous aime bien. N'est pas un ami dans tout ça, mais je sais plus qui c'est. On ne peut pas en faire un régent, donc on n'aura pas de régent, tant pis pour le moment. Ouah, je vais y arriver. Très chanson. Sénéchal. Gardien. Mon commandant, on va prendre lui. Lui. Je m'en fous un peu en fait. Et lui, tiens, allez. Oh, des nouvelles têtes un peu. On va les tuer, les achever. Ah, ils ont fui! Oh, les vils faquins! Oh, oui, bon, c'est juste pour aller plus loin. Ça va le faire. Ils ont pas fait une belle fuite, hein.
On va se débarrasser de cette guerre très vite. Ok, on a hérité du royaume d'Andalousie maintenant. Ah bah, dites donc. Au moins, celui-là, il n'y a pas trop de problèmes, hein. Quel âge tu as, jeune homme? 13 ans. Parfait. Et voilà. Je t'invite à demander la paix, mon coco. Et vite. Non, j'aurais dû annuler, mais bon. Je m'en fous de sa vie. Essayer d'influencer elle. Voilà. Alors, le royaume de Finlande. Qu'un vassal de rencontre ou supérieur d'opinion négative envers vous. Ok, ça on va le régler. L'argent règle heureusement beaucoup de choses. Ah, il en reste une. Voilà, je l'avais pas vue. Primogéniture. C'est uniquement agnatique par contre, hein, mais pour pouvoir... changer l'autre, c'est pas possible. Je sais qu'il doit y avoir un moyen de gagner la confiance. On va lui demander. Même si c'est moins important maintenant. Voilà. Ok, donc ça c'est géré. Wouhou, donc on a tout ça en plus. C'est incroyable quand même ce qu'on a récupéré. Ouais, alors du coup, on range les troupes, on range tout. Quelle violence cette partie! Oh là 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 là! Ouais, c'est vraiment dommage qu'on puisse pas récupérer facilement l'Écosse en ayant un... c'est pas possible de créer le l'Empire d'Angleterre, du coup. Ça me l'a jamais proposé, mais... Non, ça n'existait pas, visiblement, donc... Ouais, on va aller à son couronnement. Ah si, l'Empire de Grande-Bretagne, ça existe. Le royaume des cas, des... cinq pour cent de gagner un en diplomatie, ça m'étonnerait quand même. Après, c'est peut-être parce qu'on n'a plus le titre qu'on peut pas le voir. Longue vie au roi.
Les paysans, je sais pas où ils sont. J'imagine que ça va être géré, révolte paysanne pour Suède. Ah, c'est là-haut, quand même. On va prendre les troupes anglaises. Et on va débarquer là-bas. On n'est plus en voyage. Ma région s'est pris fin. Donner des nouveaux titres. Oh bah ça servait à rien que je sois là en fait. Voilà. Hop. Hop. Alors, qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Je ne sais même plus. Je voulais voir mes prisonniers un petit peu, qu'est-ce que j'avais? La duchesse de Gascogne. Ouais, bon, elle. Rançonner, voilà. Hop là, en sortant de l'église, j'ai entendu Marie-Jeu parler à ses amis. Elle en fait part de la confession de la colère qui aspirait la première que j'ai adressée au prêtre. Ouais, bon. Ça aurait été bien hein, de pouvoir récupérer entièrement l'Écosse, mais franchement, c'est un peu chiant à faire. Hein. A fallu faire des mariages entre les enfants, mais pour récupérer carrément le titre du royaume d'Écosse, quoi. Mais là. Ah, le pape est un prêtre impie. Ah oui, c'est un peu con. Ouais, on peut rechercher un forgeron, ouais, effectivement. Un forgeron d'armes, allez, on va se faire une arme. On va changer. J'en ai rien à faire. Ouais, faudrait que je nomme un tuteur, mais bon. Maintenant, finir notre vie comme ça. Un bon petit personnage, hein, ce petit Roland IV, hein, quand même. Hein. 70 ans en plus, il a bien vécu, hein. Attendez, je dis ça, il est pas mort, mais des fois quand je dis ça, en général les personnages meurent. Un petit banquet, ça fait longtemps. J'en charge le maréchal. On dépense sans compter. Ouais, il y en a qui refusent, hein, comme toujours. Aurait pu être intéressant, là. Si ça se trouve, le roi de Suède, on peut revendiquer son titre. Ah ouais, on peut carrément revendiquer la Suède pour quelqu'un. On est pas un rang plus haut et à partir de la même dynastie, Houssi est le seigneur de Liège de Jure. Ah oui. Non, il n'est pas de ma dynastie par contre. On récupérera pas ça comme ça quand même. Hein. On va dire il a bien fait, on s'en fout. Lui là,
On va le prendre quand même, même si je suppose trop ce qu'il vaut, mais ça on peut pas trop le savoir. Une lance, on en a déjà une, on n'a pas de hache. Oh, pour le fun, une hache, allez. J'aime bien les haches, moi. Et on va parler 2000 pièces d'or pour l'avoir. Donc on va pas faire n'importe quoi, on va prendre de la grosse hache. L'après-midi, lorsque je suis allé vérifier la progression, j'étais en train de tenir il soulevait des morceaux de métal et finalement il me montrait comment façonner les matériaux. Pas exactement ce quoi je le paye, mais une forme de service néanmoins. Ouais, on va dire que c'est bien, hein. Révolte anglaise, non. Oui, des beaux jeunes hommes, ouais, c'est original, effectivement. D'après les dires du groupe de prostituées, la duchesse est extrêmement satisfaite par mon présent. Je souhaite proposer mes services. Oui. Commandant de cavalerie pour tout le monde, ça me va. Qu'est-ce que c'est long la menace? Quand l'héritier qui est déjà adulte. Ah voilà, je me suis fait avoir. Alors. Vu que j'ai plein de fric et que je ne sais pas quoi faire, on va faire en sorte que... Ça sert à rien ce que je suis en train de faire, mais bon. Ok, on a récupéré le royaume de Bourgogne. Ah, alors, on a deux territoires là, enfin, tout ça qui ne appartient pas à... qui ne... Ouais. Ouais, mais t'as pas mal de titres, toi. On va tenter de récupérer tout ça. Ouais, je vais le garder pour moi, pour le moment. On a dépassé les années 1400, hein, donc petit à petit on se rapproche de la fin. N'ayez pas peur, madame, je vais vous aider. Voilà, elle arrive à ma cour. Pas grand-chose, hein, mais... Ah, c'est dommage, parce que j'aurais bien aimé le donner à quelqu'un pour quelqu'un il s'amusait à récupérer ses titres au roi d'Écosse, mais là... faudrait... On n'a pas un prétendant pour ça? Un prétendant au royaume d'Écosse? On prenait lui, là, le duc de Moray.
Mais c'est pareil, à mon avis, si je le prends et que je lui déclarais la guerre, il accepterait pas de rejoindre. Ah oui, non, mais de toute façon, il me faut pas des gens. Si, il me faudrait un mec comme lui, quoi, le prince. Ouais, qui a un cancer et tout, bon, bof. M'invite à la cour. Hein. Ah, il doit être adulte, c'est vrai. Ouais, non, lui, il a pas une vraie. Bon, lui, il a trouvé sa voie, ouais. Non, mais il a l'ordre du temple, donc c'est bon, on s'en fout. Ah, tout comme le royaume de Castille, quoi. Des prétendants, il doit y en avoir. Après, hommes adultes qui n'ont pas déjà un titre, c'est plus compliqué. Hein. Duché de Somerset. Il existait pas déjà celui-là. Ok, très bien, je ne savais pas. Honnêtement, si j'avais que ça à faire, quoi. Bon, par contre, c'est pas moi qui vais le diriger, hein, c'est lui, voilà. Ah, c'est vrai que ça, la vente de mercenaires, je pourrais tellement, mais tellement la goinfrer, quoi, là. Ah bah, elle est pas mal déjà. Hein. Mais bon, envoyer de l'équipement, tellement d'argent, en parlant de ça, ben voilà. On fait un terrain d'entraînement. Un camp de miliciens. Bon, allez, va. On va même faire le chantier naval. Écurie. Bourg fortifié. Ouais, vas-y, casse-toi, je m'en fous. J'ai encore 20 000 pièces, quoi, donc quoi faire, hein? Très bien, ça. Devenu un commandant de Suède, bah pas pour longtemps, hein. C'est bizarre, il a pas l'or, quoi. Non, il devrait avoir mes pièces d'or. Hein. Voilà! Ma vengeance sera terrible. Grosse faction là apparemment. Ok. Ok, donc toi, va falloir vraiment améliorer les rapports avec toi. Ainsi qu'à certaines personnes, histoire de les. Les doges, c'est cher à corrompre. Hein. J'ai vu qu'il y avait une guerre là qui avait été lancée par la Suède, je crois. Attendez.
Il se défend contre le Doge, un garde d'occasion pour les côtes de Vastmaland. On peut pas l'aider? Hein, c'est dommage ça. C'est une république, alors il est peut-être indépendant en fait, hein. Non, je suis quand même son seigneur, ouais, c'est bizarre, hein. Ah, il veut me marier à... Mais non, pas du tout. Bah, t'as bien fait de faire autre chose parce que moi j'étais pas pour, hein. Ouais, non, donc on peut pas, je peux pas l'aider, quoi. Bon, dommage. Ça aurait été intéressant de pouvoir lui donner un coup de main, mais alors après, du coup, moi, le royaume de Finlande, je vais le donner à quelqu'un. Je voulais attendre la fin de l'épisode, de toute façon, que je vais arrêter là, mais. Mais c'est vrai que ces gens-là, bah ouais. Ok, ouais, non, mais il va falloir si quand même que je vois. Ouais, bon, je peux pas. Ouais, ça va être un peu compliqué quand même. Ok, bon, on va arrêter là l'épisode. Il a assez duré. On est en 1404. Il faut que je regarde la date de fin. Je sais plus exactement quand est-ce que c'est, mais c'est bientôt. Merci à tous de m'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à après-demain pour la suite. Bye bye!